Hey, 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 cucu mes petits culs, et bienvenue pour ce nouvel épisode du DK Challenge! Ah! Majordome de mon cul, tu as réveillé notre enfant! Tu lui as fait peur! Maggie, 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 Maggie! Oh mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Pierre-Nard, tu casses tout! Non, ça commence bien cet épisode, je le sens! Je le sens que je vais. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Non! Ah, et puis lui, c'est un gros naze, de toute façon, ce majordome de mes fesses. Viens dormir, Pierre-Nard, ça y est, je sais plus. Albert, toi, tu... Il pleure ou... Bah, qu'est-ce qu'il a, ce gamin? Parce qu'il pleure, mais il pleure pas, en fait. Il pleure sans le bruit. On remarque, c'est mieux, hein. Ah non, ça y est, il a repris le bruit. Vas-y, occupe-toi-en, Marguerite, là. J'ai pas la patience aujourd'hui de supporter les cris de ton mioche. Bon, il est toujours pas devenu bambin. Ça ne saurait tarder vraiment, je pense, de toute façon. Allez, tu vas dormir aussi. Non, mais c'est le bordel, là, dans la baraque, ça y est, quoi. On a deux trucs cassés. T'as l'autre glandu, là. Il est où, là? Du con de majordome. On sait pas. Ah, si. Ah non, il fait les poubelles. Il est censé réparer les choses, mais lui, il se contente des poubelles. Hein. On a vu à quel point il était nul à chier. Moi, je le prends à l'essai, mais ça fait que 2 jours. Là, ce sera le troisième, je crois, si j'ai pas dit bêtises. Donc, on verra bien ce que ça donne sur la durée, mais voilà quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Il va préférer éponger le sol que de réparer ça. Ah non, il va juste aller éponger, hein, il va pas venir réparer, alors que normalement, il doit réparer. Voilà, ça c'est le majordome le plus buggé de la planète. Oh bon sang, si ça y est, il a réparé le truc. Oh oui, ça y est, il se met enfin au taf. Mais il était temps. Ah là, je vous jure. Et voilà, Marcel a vieilli et il a aussi les cheveux noirs. Avec une coupe de fille, on n'a vraiment plus aucun espoir. Le gène blond aura été vite effacé de la famille de Saint-Paul. Alors, Marcel, il était chiant, hein, donc pénible. Allez, bouh! Oh, le bruit! Mais qu'est-ce que tu fous là, toi, mec? Hey, Marcel! Marcel, il a les yeux verts comme papa! Hey, Marcel! Tu es trop mignon, si t'étais une fille, tu serais absolument cute. Mais là, tu es un garçon, donc c'est un peu bizarre. Mais c'est pas très très grave. Voilà, le petit Marcel a grandi. Et voilà le petit bichon. Bien sûr, je vais lui changer sa coupe de cheveux. Hein. On va pas le garder comme ça, mais voilà le petit Marcelouf. Allez, je vous retrouve une fois le relooking fait. Et voilà le relooking de Marcelouf. Donc, je vais mettre la petite coupe au bol des saisons, bien sûr, puisque je pense que c'est seulement dans cette partie où je pourrais utiliser le truc du au coupe au bol, quoique on pourrait. Bref, alors première tenue de jour, deuxième tenue de jour, tenue cérémonie, tenue de dodo, tenue de fête, tenue de bain, tenue temps chaud, première tenue temps froid et deuxième tenue temps froid. Et j'adore le petit bonnet. Et voilà pour le petit Marcel. Et voilà, il commence déjà à faire chier sa mère. Oh, sa mère. Marcel, tu nous casses les pieds déjà. Nique ta mère. Non, quand même pas. Cet âge-là, ils peuvent pas faire grand-chose, les gosses. Oui, il est que 6h30 du matin. Donc voilà. On va l'occuper, le petit. Elle est partie, il va aller voir sa sœur. Qui est debout. Et puis de toute façon, il va falloir lui donner à bouffer. Parce que là, il a faim, le petit. Ah! Notre majordome est en train de bouquiner. Ah, on dirait qu'il lit du morse, le gars. Il a trouvé sa chambre, mais il ne dort toujours pas. Je ne sais pas comment il fait, mais... Le mec est un warrior, quoi. Il a jamais dormi. Du coup, on a Gisèle... Oh non, il se met à pleuvoir. Gisèle qui joue un peu au fer à cheval. Sachant qu'on est dimanche, donc forcément, ils n'ont pas cours. Donc, bah là, je m'étais dit, on va aller se balader dans un parc. Mais bon, s'il pleut... Ça va être compliqué comme d'habitude. Hein. Et non. Ça y est, la chambre des gamins, c'est devenu l'endroit à la mode aussi. Là, ça commence à être bizarre tout ça. Ah non, il vient juste regarder ses enfants, lui. D'accord.
Bah Albert va te distraire un peu parce que là, t'as besoin. Ah, on va te mettre peut-être au piano. Composer un morceau, on va continuer ton morceau comme ça. Au moins, si on peut gagner des sous là-dessus, ce serait cool. Il s'est mis au violon plutôt qu'au piano en fait. J'avais pas vu. Ah, d'accord. Non, t'es pas aussi bon au violon qu'au piano, mon petit Albert. Vas-y, mets-toi au piano. On sait que tu gères beaucoup plus là. Tu vas te sentir mieux. Ah, Yebzé, ouais. Allez, vas-y. On t'écoute, on te regarde. De tous les marmots sont réveillés. Qu'est-ce que tu fais, Marguerite? Marguerite, tu peux aller dehors. Stop, là. Tu peux aller vendre les mufliers, vendre les carottes. Je croyais qu'il y en a une à faire évoluer. Voilà, tu vas améliorer tes skills. Tout ça, notre produit. Voilà! Ça, c'est pas mal, on avance un peu. Non, mais. Parce que, voilà, toutes les 2 secondes, elle sort son parapluie pour le ranger, pour se baisser. Puis il va ressortir son parapluie pour le ranger, pour se baisser. C'est magique! C'est les Sims! Voilà. Hein? Et j'ai toujours pas de truc à parapluie chez moi. Donc bon, voilà quoi. Tout va bien. Mais bon, on gagne des sous. Hein? 180 simflouzes par 180 simflouzes. Nous allons être riches. Et pendant ce temps-là, lui, il continue de bouquiner. Hein? Tout va bien. C'est le Warrior, le Majordome Warrior. Bon, alors il a arrêté de pleuvoir. Pff, oh, mais meuf, tu peux pas. Bah, nettoie alors si ça te plaît pas. Vas-y, nettoie. Et on va aller se bouger, on va aller au parc, du coup, on va bouger un peu. Profiter, tout ça. Il fait frais, mais on va y aller. Une petite partie de la journée, se balader au parc. Et nous voilà au parc de Willow Creek. Y a-t-il des gens? Il y a cette personne-là, habillée bizarrement. Izumi Yamamoto, d'accord, ok. Alors, on va envoyer les gamines. Jouer aux pirates ensemble, on va voir ce que ça donne. Parce que les bambins, je suis pas sûre qu'ils fassent quelque chose de très constructif. Hein. Et les deux petits bambins, l'Irène, ouais, pourquoi ils ont le petit coin-coin? Aller à la garderie, ah oui, bah remarquez, ouais, si ça va pas mieux, ils iront à la garderie. Hein. Tiens, tu vas t'asseoir, et toi, tu veux faire quoi avec ton papa? Regardez, tu vas t'asseoir aussi là. Comme ça, vous serez tous au parc. On va jouer aux pirates ensemble. Oh là là, ça braille à cet âge-là. Attention! Attention, on va tirer sur le poulpe géant. Blou, 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 tiens, 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 qui c'est ça? Henri Chevalier. Bonjour Henri. Serais-tu un bon parti pour nos enfants? Raconter une histoire drôle. En tout cas, tu aimes le rose, c'est un peu bizarre, mais ouais. Apparemment, tu connais déjà. Bon, c'est au moins ça de faire. Ah, mais il y a quelque chose d'autre là, parce que je ne sais pas quel sexe c'est. Oh, attends, 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 ne bouge pas. Jeanne Fontaine. Oh, Jeanne, tu me fais un peu peur. Mais c'est pas grave, on va se présenter à toi. Ça fait des relations, tout ça. Donc, comme ça, plus de relations, plus de possibilités après pour l'avenir. Qui sait, qui sait, qui sait. Oh, aïe, 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 aïe. Albert, Albert, tu vas engueuler ta sargosse. Éducation, non, discipline et comportement sévère. Oui, j'ai pas cliqué, ça m'énerve. Éducation disciplinée sévère. Ouais, on devrait faire une touche raccourcie, hein, parce que franchement. Allez, Albert, montre ton autorité de mâle dominant. Sale gosse! Qu'est-ce qu'il a, lui? Ah, bah, lui, il va aller se servir à bouffer. Ah, bah, remarque, s'il y a à bouffer pas loin, il en profite, il a bien raison. Oh là là, les mamours, les mamours! Les mamours dans le parc
avec les enfants autour. Elle qui pue, non mais franchement. Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle parle de canard. Faire des grimaces. D'accord. Dire n'importe quoi. Parler de jouets. Et lui, il est en train de manger. Par contre, il est un peu fatigué, hein, c'est sûr. Tu vas babiller à maman. Enlacer tendrement, tout ça, quoi. C'est bien, mon petit Marcel. Et les filles, elles s'éclatent. Bon, bah voilà, pas trop, trop de choses à faire. J'aurais bien envoyé Marcel faire de la pêche. Mais bon, c'est pas encore... hein, comment dire, il n'y a pas encore l'âge de pêcher. Donc forcément, il est colère. Qu'avez-vous, madame Martin? Martine Martin! Martine Martin est bien habillée, bien classe. Il y a quoi à faire dans le coin? Il n'y a pas grand-chose à faire, à dire. Bon, bah, on aura fait une sortie. Au moins, il a arrêté de pleuvoir, mais... Piquer une colère. Non, mais Marcel! Tu es là, tu... Non, pas s'asseoir ensemble. Tu es là, tu fais une sieste! Hop! Tu ne casses pas les pieds, non? Tout le monde va bien et tout, il n'y a que toi qui fais chier ton monde. Au bout d'un moment, c'est chiant. Oh, Albert, t'as faim. Dans ce cas, tu vas faire un... Préparer un bazar. Ben non. Tu vas griller des saucisses avec poivron. Je doute que qui que ce soit végétarien dans la famille. Donc, on va pouvoir faire à manger pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il a, lui? Lui, il s'endort comme ça, même le sol. Faire une sieste par terre. D'accord, je savais pas. Je savais pas qu'on pouvait faire une sieste par terre. Ouais, bah apparemment c'est possible. Marcel, hein, il nous apprend des trucs, hein, le petit. Hein. Et lui, il le regarde genre, oui, d'accord, d'accord, c'est normal. Oui, elle est fait dans sa couche, la coquine. Parler de super-héros. Voilà. Les filles, elles se sont servies aussi à bouffer. Tiens, si tu veux, toi, tu peux jeter une pièce. Et toi aussi. Voilà, c'est pas comme... on est pas radin, nous, hein. Ah, alors attends. Prends une portion ensemble. Du poulet grillé ou des saucisses au poivre. Il y a le choix. Ça reste diététique, quand même. Oups, j'avais pas vu l'heure passer. On va rentrer, puis surtout que la petite, elle est dégueulasse. Donc on va rentrer à la maison, quand même, ça serait plutôt pas mal. Alors, hop là, on est retourné à la maison. On va voir, lui, il doit absolument aller au lit. Bah, tu vas y aller tout de suite. Toi, tu dois absolument te faire laver le cul par ta mère. Donc, tu vas lui demander exactement aussi tout de suite. Elle, tu peux aller au lit. Je vais regarder s'ils ont fait leur devoir, mais je pense que oui. Donc, tu peux aller au dodo. Toi, je pense que c'est le cas aussi. Tu vas aller donc... Oups non, c'est ici. Au dodo. Et Albert, tu peux aller aux toilettes. Ça sera pas mal. Voilà, Albert, lui, c'est quand même l'homme de la famille. Il est un peu de repos par rapport à tous ses mioches. Et c'est Marguerite qui s'occupe le mieux, de toute façon, de ses propres enfants. Attention! Drama! Non? La petite, elle va pas être choquée de voir son père qui fait caca. Ça ira. On sait jamais, les Sims, hein. Bon, bah Albert, écoute, tu vas aller faire plus de choix, tu vas ouvrir le parapluie, tu vas aller courir un peu, voilà, histoire de te mettre, continuer ta lancée sur être en forme. Non, non, mais on s'en fout, lave-toi pas les mains, c'est pas grave, nous on aime la saleté. Tu vas courir, Albert? Albert, t'es bugué! Ah non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, il va aller un peu mouver son body. En petit jogging, c'est pas mal, parce qu'il est en très bon état, donc c'est bien. Et puis après, ce sera dodo pour tout le monde. Voilà. Marguerite, tu le temps. Voilà. Bon, demain, voilà, j'allais dire, c'est l'anniversaire d'Albert demain, donc voilà, il va devenir déjà adulte. Il va plus être aussi beau et fringant que nous le connaissons. Marguerite, ça fera pareil que Jojo, c'est-à-dire qu'elle va tellement vivre dans longtemps que je lui fêtais son anniversaire en avance, parce que de toute façon, elle survivra à Albert, ça c'est clair et net, mais genre, je vais pas attendre 15 jours avant de la faire devenir adulte, c'est pas possible, non, à un moment donné.
C'est chiant qu'ils frisent comme ça là, pendant la grossesse parce que ça fait trop d'écart entre les personnages qu'on a créés en même temps, quoi. C'est vraiment débile. Et il s'est remis à pleuvoir, rien que pour mon désespoir. J'en ai marre, oui, j'en ai marre de la pluie dans mon jeu. Ta 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 ta. Bon alors, t'es en bonne forme, hein? Ah, il sort le parapluie quand même, histoire de. Hé Albert! Le parapluie qui fait plaisir au milieu de la nuit pour m'éviter de me mouiller le derche. Qu'est-ce qui se passe ici? T'as Arthur qui discute avec le maître d'hôtel, le majordome. Ça va Arthur? Faut vraiment qu'on te ramène ta femme et ton fils, toi. Hein. Pff, mais bon, on a une chance sur je sais pas combien, donc aussi de que tu sois là à ce moment-là. Bon, bah il pleut, vous allez peut-être rentrer les enfants, hein. Bon, Albert, il va se coucher et toi, va te coucher aussi. Comme ça, moi, ce sera fait. Vous pourrez dormir tranquillement, au chaud, et pas être emmerdé avec la pluie qui tombe. Voilà, c'est dodo pour tout le monde. J'espère que cet épisode vous aura plu, parce que moi, je vais vous quitter ici. Alors, ok, c'était un peu calme, hein. On était un dimanche tranquille ou bilou. Peut-être qu'ils vont se tomber amoureux l'un de l'autre, hein, qui sait? En tout cas, ils s'entendent bien. J'espère que ça vous aura plu. Demain, on souhaitera. Enfin, demain dans le jeu, n'est-ce pas? Mon prochain épisode, ce sera l'anniversaire d'Albert. Et aussi le lundi de Pâques. Puisque j'ai ajouté enfin les événements qu'on doit ajouter au fur et à mesure de l'histoire dans le calendrier. Donc, je ne l'ai pas placé où il fallait, mais comme j'avais oublié de le faire, je l'ai placé à cet endroit-là. Et bien sûr, la prochaine fois qu'il y aura. Le printemps, je mettrai le pack à la bonne place. Alors par contre, je sais pas du tout comment il va y avoir des chasses aux œufs qui vont popper. Enfin, je sais pas. On verra bien ce que ça donne. En attendant, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour la suite du Tickets Challenge. Allez, salut!